Remise officielle à la population du sud Ubangi des centres de santé de Yakamba à Boudjala, celui de Mbaya et de Akula. Ces bâtiments ont été inaugurés par le ministre de la Santé publique et programme de développement du système de santé. Dans le cadre du suivi des interventions du programme de développement du système de santé, une mission conjointe composée d'une équipe du ministère de la Santé, conduite par le ministre de tutelle, et l'équipe de l'unité de gestion a effectué une mission dans la province du sud Ubangi du 20 au 27 janvier. Il était question de la remise officielle à la population des centres de santé Kayamba à Boudjala, centre de santé de Mbaya et du centre de santé de Akula, dont les travaux sont achevés et leur dotation en matériel médicaux acquis sur les financements du gouvernement congolais. J'ai réussi au niveau national à obtenir le prolongement de ces programmes de construction et réhabilitation des centres hospitaliers appuyés par la Banque mondiale. Le PDCS s'est prolongé. Ce n'est pas tout. Des équipements vont suivre. Applaudissez pour le PDCS. Applaudissez. Au sud d'Ubangi, les interventions du PDCS couvrent toutes les 16 zones de santé. Entendez, 225 centres de santé, 21 hôpitaux avec des subsides trimestriels, dans l'objectif d'améliorer l'utilisation et la qualité des soins maternels et infantiles. Le PDC, c'est un programme du gouvernement qui est financé par la Banque mondiale et dont l'objectif est d'améliorer l'utilisation et la qualité des soins maternels et infantiles. Non mais bravo à la Banque mondiale qui a accompagné, qui a accepté le projet, bravo PDCS, nous voulons que ce projet-là puisse continuer. À l'ère de la couverture santé universelle, les bénéficiaires étaient émus. Merci, voilà, ministre. Remercions le ministre d'avoir pensé à nous, qu'il soit béni et continue de prendre soin de nous. J'ai visité et aimé l'aménagement. C'est bien fait. Nous sommes contents et souhaitons le meilleur. Notre village était dépourvu d'infrastructures sanitaires. Aujourd'hui, nous avons un bâtiment que nous léguerons à nos enfants. Merci infiniment. Après ces remises, des équipements sont attendus pour l'amélioration des qualités de soins au sud de Ubangi.